Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total War Remastered pour une nouvelle campagne courte avec les Gaulois, ou la Gaule si vous préférez. Ils ont une infanterie de combat rapprochée puissante mais une cavalerie en quantité limite. Les Gaulois sont une confédération de tribus éparses qui, au fil des siècles de migration, ont réussi à étendre leur territoire. Forts d'une riche culture, ils sont fiers et agressifs et jugent leurs chefs comme leurs guerriers selon leur courage. Ne prenez pas les Gaulois pour de simples barbares, leur culture est ancienne. Ce sont d'excellents forgerons, leurs villes sont bien organisées et prospères, leur culture est riche. Ils ont aussi une pléthore de guerriers pour attaquer leurs ennemis. Les Gaulois ont hérité comme les Britons de cette robustesse propre aux Celtes. De nombreuses tribus ont d'ailleurs un pied au nord de la Gaule et l'autre en Bretagne. La mer n'a pas entravé leur expansion. Les Gaulois ont toujours fait de fiers guerriers qui ne tolèrent pas d'être défaits ni soumis. Ils combattent corps et âme pour protéger ce qui leur appartient de droit, mais aussi pour que d'autres terres aient le droit de leur appartenir. Pour peu que les Gaulois réussissent à étendre leur territoire, un avenir radieux s'offre à eux. De nombreuses menaces les attendent, qu'elles proviennent des civilisés ou des autres barbares, mais ce sont pour eux autant d'occasions que de courtiser la puissance et la gloire. Donc là on est parti, donc là on a pas mal, on va voir un petit peu comment ça se passe cette campagne. Hop. N'était pas encore né que ces terres étaient déjà nos terres. Ces terres sont de bonnes terres. C'est là que vivent nos dieux, dans les arbres et dans les rivières. C'est de là qu'ils veillent sur nous. Nous sommes heureux. La chasse, la famille, le foyer, voilà notre vie. Une bonne vie. Mais parfois, nous devons nous battre. Les Romains dérangent les dieux. Ils brûlent les forêts. Ils prennent ce qui nous appartient, nos femmes, nos enfants, nos terres. Ensuite, ils disent qu'ils nous aideront et qu'ils nous protégeront. Ils nous endorment avec leurs belles paroles, mais quand nous nous réveillons, tout ce que nous avions a disparu, volé. Ils prennent nos fils et en font de petits Romains. Il faut nous battre pour garder ce qui est à nous et qui doit leur rester. La paix est impossible. Les Romains sont des hommes de pierre et de fer, des hommes sans parole. La seule solution, c'est la guerre. Ok, ça annonce la couleur hein, contre les Romains déjà. Faut se méfier des Romains, ouais. Bon. On va regarder un petit peu notre territoire. Donc déjà, on a 4 colonies en Gaule, les deux dans le nord de l'Italie et une en Espagne, en Ibérie. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je regarde un petit peu. Sachant que je pense qu'il faut vite aller chercher certaines cités. Donc là, je vais envoyer tout de suite mon diplomate dans le coin pour surveiller ce qui va se passer là. Pareil pour ici, donc là, on a réussi notre coup. Donc là, mon but, j'aimerais essayer de battre les Romains, donc les Juliens, je parle, en moins de 15 tours. Je pense que si on les prend rapidement, on les bat rapidement, on serait tranquille. Et mon objectif secondaire pour cette campagne que je disais dans l'intro, ce serait de battre les Britons. Pourquoi les Britons? C'est juste la dernière campagne qui me manque, la dernière faction à battre dans toute la campagne de base, quoi. Donc là, je vais essayer de surveiller un petit peu. On a un navire ici. Alors, je regarde un petit peu notre économie. Ouais, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc là, on pourrait faire de la cavalerie, effectivement, et partir vers le nord. Donc, ici, on a pareil, on a un autre général. Donc, on pourrait l'amener en renfort dans le nord de l'Italie, je pense, c'est ce qu'on va faire. Là, j'ai une belle armée aussi en Ibérie, donc attention. Alors on va regarder un petit peu également les différents bâtiments pour se faire une idée et aussi les temples. Alors on a quoi comme temple? Toutatis, qui nous permet d'avoir des fantassins dénudés. Epona qui donne plus d'expérience aussi, d'accord. Et un bonus aux armes légères pour Toutatis. Amnoda, c'est un bonus pour les tireurs, ok.
Et le cercle sacré des us, lui, c'est que du bonus d'ordre public. Mais ça nous permet aussi d'avoir des druides. Ce qui est pas dégueulasse après tout. Les druides pourraient avoir leur utilité. Bon, je vais déjà me mettre en route avec cette armée. Alors, on regarde un petit peu nos villes différentes. Et on a quoi là? On a 1300 hommes, ouais. Je vais rajouter un détachement ici. Comme ça, avec ces deux-là, on va partir vers le nord de l'Italie. Hop. Là, on va commencer à regrouper nos hommes également. Voilà, comme ça, on aura déjà deux bonnes armées là. Oh, j'ai oublié les unités, pas bien. Très très bien. Ok, maintenant on va bâtir un petit peu. On va faire quoi? On va démarrer par des routes. Et ici, on va faire un hôtel. Alors, c'était qui déjà? Qui c'est qui nous donne des guerriers dénudés? C'est Toutatis, hein. Hop, un hôtel de Toutatis ici. Un autre hôtel de Toutatis là. Je vais faire un hôtel de Toutatis en priorité dans les villes proches d'autres peuplades. Ici, on pourrait faire des routes. Je vais faire un hôtel d'Abomna ici. On va essayer de faire le plus de routes possible déjà pour démarrer. Et là, je vais faire un régiment de paysans, on sait jamais. Ouais, là, mon but, ça va être d'essayer de commencer à attaquer mes adversaires rapidement. Massilia, on va pas s'en occuper tout de suite, hein. On va essayer de s'occuper des Romains en priorité, comme je le disais. Ah, ils ont pas attaqué ces gestes, intéressant. Est-ce qu'on peut recruter des Mercos dans le coin? Non. J'ai l'impression que c'est mon espion qui a bloqué le chemin. Bah écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas, hein. Et en plus, oh, alors c'est rare que je vois ça. Bon, on va pas se poser de questions. Alors, on a l'un des héritiers romains. Ok, on a des astatis et des unités d'archers. Bon, on a 3-4 cavaleries. Là, on va essayer de s'occuper rapidement de cette armée romaine. Alors, je sais pas pourquoi ils se sont isolés, c'est très rare que je vois ça. Mais bon, on va en profiter. Hein. Si on peut poser l'assaut sur Arretium d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. Notre destin est de nous battre aujourd'hui. La victoire est incertaine, mais si vous combattez comme les loups que vous êtes, cette journée sera nôtre. Donc, j'ai deux généraux, mais j'ai 3-4 cavaleries, donc c'est pas mal du tout. Détachement de tirailleurs. Où sont les Romains? Ok, ils sont là. On a l'avantage, hein. Le seul truc qui risque de poser un peu problème à mon goût, ce sont juste leurs tireurs. Allez, on va leur foncer, on va essayer de provoquer un peu les astatis adverses. Comme ça, on va voir comment ils réagissent.
Attention, on va éviter de provoquer nos ennemis trop vite. On va essayer d'accrocher leur général comme ça. Là, le général s'est complètement isolé, donc il y a un coup à faire là. Oh! Bon. Ça a été plutôt rapide. Et en plus, on tue le général, c'est parfait. On va essayer d'aller chercher le vite possible leurs unités. Qu'est-ce qui reste? Bon, bah ça c'est fait. Hein. Non seulement on wipe 3 statis, un archer et un général romain. Tout va bien. Est-ce qu'il y a moyen de recruter des gens ici? Non, personne. On va juste poser le siège rapidement. Parfait. 3 béliers, là, ça va être utile. Alors ici, on va faire quoi? Des routes. Des murs. On va peut-être monter un poil les taxes par-ci, par-là. Bon, c'est quoi? C'est raisonnable ici. Et là, je vais ramener ces renforts-là pour aller prendre ces gestes rapidement. Comme ça, là, on sera sûr. Il n'y a pas d'autres mercos, là, dans le coin. Ouais, il y a une infanterie de barbares mercenaires, à la limite. Bon, ce quoi condamné n'est pas trop exposé pour l'instant. Est-ce qu'on devrait peut-être pas faire quelque chose plutôt ici? On va faire un hôtel en hommage à Toutatis aussi. Ouais. Puissions-nous parler bah de non. Au revoir. Non mon vieux, tu rigoles. Bon par contre on va embarquer ce gars-là. On va aussi s'emparer de Samarobriva ici. Oh. Oh, attention là. Des murs. Je vais peut-être recruter un peu de caveau aussi, on sait jamais. Il n'y a rien dans ces navires, hein, non, on est d'accord. Bah du coup, j'ai emmené mon espion du côté d'Aretium. Alors, ils ont recruté quoi en masse? Ok, beaucoup de gardes civils, d'accord. À mon avis, ça va être beaucoup de détachements pour ce que je vois là. Salut Squash, comment tu vas? Saloué Squash. On est en train de jouer les Gaulois, là on est en train de tenter de battre du Romain, là donc on a réussi notre petite bataille d'entrée de jeu. Petite surprise, les Romains n'ont pas réussi à prendre une ville qu'ils prennent habituellement. Et là je suis en train de pousser sur leur capitale. Parfait. Bon. Je pense qu'on va pousser sur leur capitale. Hein. Là, en vrai, si on fait tomber Aretium, on se met bien pour deux raisons.
Bah de 1, c'est là où c'est la capitale, et de 2, c'est là où il y a beaucoup de bâtiments de production militaire romain. La ville, elle, c'est la plus avancée des Julies. Donc là, on pourrait faire quelque chose de très très intéressant. Moi, je regardais les églises qui viennent finir son live, puis j'ai vu le pavé de l'Alliance qui concerne Baldur's Gate 3. J'ai vu des images passer sur Twitter, et il y a aussi un truc apparemment comme quoi il va sortir à un moment en 4 semaines en early access, je crois, un truc comme ça. Bon, on va pas trop traîner. On va avancer toute notre armée pour être sûr. Allez. Attention, il y a du triari en face. Peut-être que nos javelots pourraient peut-être s'occuper de ça. Ouh, ils aiment pas trop. J'ai l'impression que les javelots, ils ont pas été trop aimés là. Bon, là on va sortir la horde. C'est le serpent et est sorti, c'est juste. C'est une première partie pour cet empereur qui sortiront. D'accord, ok. Allez, on y va. Allez. On ventile ici et là. Les triarii, on les tient. Alors, je sais pas ce qu'ils font, mais bon. On va pas se poser de questions. Qu'est-ce qui reste encore là-bas? Du Astati et le général, bien sûr. On les a tous eus, c'est pas mal. Je vais faire rentrer mes dernières unités. J'ai ma cavalerie en réserve. Bon, pour un assaut de ville, c'est pas très très pratique, hein, qu'on se le dise. Là, il faut que je fasse gaffe. Ils ont le général, je rappelle, ils ont le Astati. Attention. J'ai pas eu le temps d'activer le cri de guerre, mais bon, on va faire avec. Ça y est, là, avec nos généraux, ça y est, on l'a eu. Vite, allez me charger ça et nous on va les flanquer comme ça. Voilà. On se bat jusqu'au bout puisque c'est la place. Ouais, ça va. Bon. Un rhétium est tombé. Alors, occuper, asservir ou exterminer? Je vais asservir. Et en plus, on pourra former des épéistes ici, ça c'est cool. On va réparer les murs. Donc là, notre début de campagne, c'est plutôt satisfaisant quand même. Là, cette armée va arriver ici. Donc là, il reste que plus qu'à tomber à Réminium et on se fasse débarrasser rapidement des Julies. Bon, en Espagne, on va rester tranquille. Essayer de se faire un peu plus d'argent. Et je vais envoyer un espion, un diplomate,
On va surveiller un petit peu où sont les... le Sénat. Alors, comme veut la Germanie. Salutations. Vous n'auriez pas une petite alliance? Une proposition des parfait. Oula, attention ici. Attention ici parce que ils ont, il est certain, ils ont quoi? Bon, ils ont du PQ, donc ça c'est vite géré. Ce qui me fait peur, c'est leur char là. Le paysan et le frondeur, on s'en occupe vite avec nos cavaliers, on est peinard. Donc là, on va essayer de repousser les Britons du continent, première chose, et ensuite on va essayer d'envahir les îles britanniques. Bon, par contre, quoi, il faudra m'expliquer pourquoi les Britons se sont emparés des terres de Belgique et Nervienne. Faut m'expliquer. Allez. Ils sont là-bas. Attention, ils ont leurs archers sur char là. Ça peut être pénible. Donc là, mon but, ça va être aussi d'envoyer une autre cavalerie de barbares en renfort pour envahir les îles britanniques. Bah les Pégus, ça c'est fait. J'envoie une petite charge dans le dos ici. Voilà. Bon. La première armée, on va essayer de la wipe le plus rapidement possible pour pas qu'ils se reforment. Comment, je sais pas comment j'ai géré les chars, c'est ça qui m'ennuie. Le chef de guerre ennemi est mort, tué par vos braves guerriers. Ok, on va reformer notre ligne. Alors les druides ils sont plutôt classe hein, je trouve. Avec leurs faucilles. Bon, je sais pas si les druides allaient vraiment au combat mais bon. Donc on va reposer un peu les troupes. Bon on va essayer de dégager au plus vite les frondeurs déjà. Comment on peut les battre ces arcs sur ce là? Tant pis, on les a pas eu tous, mais le plus dur est battu. Donc là, il nous reste plus qu'à gérer tout ça. Ouais, tout ça. Alors déjà on va se reposer tranquillement. Leurs chars vont être chiants dans le dos. Ah, attends. Détachement à la garde.
J'essaie d'envoyer le... J'essaie de choper les chars par les côtés, par le côté. Bon, là on a gagné de l'autre côté, mais ce problème c'est ces foutus chars là. J'essaie d'aller les choper les chars. Si c'est possible. Oh, ils font très mal leurs chars. Ils font mal, hein. Bon, on va essayer de les calmer, là. Ça, c'est fait. Ça y est. Bon. Le général en moins, déjà, ça va être une bonne chose. Et ça, c'est ça qui va nous poser problème. Les archers sur chars. De se reposer, on va essayer d'aller choper si c'est possible dans un coin de map. Voilà pourquoi j'aime pas les chars sur le jeu. Mon général, je vais faire gaffe de pas le perdre sur une flèche, ça serait con. Oh, joli, ils en ont eu un. Oh, dur. Ah, ça c'est moche par contre. Et tu vas pas me faire courir tout le temps. Hein. S'ils gagnent comme ça, je crée au scandale. Hein. À un moment, faudrait peut-être arrêter de courir, quoi. On va se poser là, on va se récupérer. Bah voilà, tu peux rien faire parce que les chars. Super, hein. Sinon, les munitions, c'est limité. Bah, à un moment, tu devrais plus avoir de munitions, mon vieux. Je vais essayer de les prendre en tenaille, même si c'est pas gagné. Ah, ils sont au coin de map là. Oh, ça c'est abusé par contre. Là, faut le dire, hein, les chars. Pff, je tire, munitions limitées. Oui, bien sûr. Tout un art. Admirez cette bataille de l'infini. Sinon, à un moment, vous avez encore des munis ou ça se passe comment, les mecs? On va marcher. Ben voilà, hop. Si je perds uniquement à cause de ces chars à la con, là je crée au scandale. Bon, déjà on va se soigner. Détachement.
Bon. Bon, on va attendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, c'est incroyable, ils ont encore combien de munitions là? Ils ont 50 000 munitions. Allez, go. Rabattez-les. Putain, ça a été dur, hein. Po, po, po. Bon, on s'emparait, on va juste occuper, allez. Un nouveau commandant, vas-y. On va vite aller chercher ces gestes. Là, on a une unité de garde civile qui est sortie. Est-ce que je peux recruter? Alors, du Gothorix, toi. Rien recruter pour l'instant. On va prendre un épéiste ou deux. Salutations. Il nous propose du commerce, les souhaite. Nos remerciements. Puissions-nous parler de non. Au revoir. Je vais laisser l'un de mes régiments là. Voilà, on va essayer de faire le plus de béliers possible. Waouh, attention. Hop. Cette armée va être très compliquée à battre comme ça. Hein. Bon, déjà, on va s'occuper de récupérer ces gestes pour nous. Aujourd'hui se joue notre... Attendez mes ordres. Unité. Unité au pas de course. Unité au pas de course. Unité. 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 Chargée. Unité. Unité. Unité en vitesse. Unité. Là, on va essayer d'utiliser tous nos détachements là pour faire une ligne. Allez, venez. Le général ennemi fuit devant vos guerriers. Attaquez! Faites-leur tous suivre la même chose. Ils font mal leur pégu, hein. Le chef de guerre ennemi est mort, tué par vos braves guerriers. Hop. On termine ces gestes aussi, comme ça, là, le nord de l'Italie sous notre contrôle. On va juste asservir. Allez, pour le principe, un petit carton. C'est qui est là, du coup, comme comme temple? Esus, on va retirer. Je veux faire un temple en hommage à Toutatis.
Il peut pas venir me chercher tout de suite là, le notre ami. Hop, on va reformer même un quatrième ici. On va continuer de développer alors un petit peu. Alors il nous faut un marchand. On va essayer de développer un peu nos forges aussi dans certaines cités, ça va être très important. Alors comme propose l'Espagne. Salutations. Tous nos remerciements. Ok. Ah tiens, Carthage est alliée. On va les assiéger tranquillement, les Romains, on va pas s'embêter. Ouh, mais je récupère. Et en plus, là, on a. On va récupérer notre cavalerie là. Je vais faire aussi un temple de Toutatis par ici. Donc là, on a combien de territoires déjà? On en a 10 sur les 15 requis. Les Julies, ils sont bientôt cuits. Après, il faudra juste aller chercher là-bas. Hein. Alors par contre, attends, c'était qui voulait faire des druides? Peut-être que je vais changer d'hôtel ici. Esus. Je vais faire un hôtel à Esus, comme ça au moins on pourra former des druides. On continue avec Toutatis. Hop. Donc là on a un nouveau général, c'est cool. On va peut-être le rameuter vers Arretium. Est-ce qu'on peut former de la cavalerie dans le coin? Pas pour l'instant, on dirait. On va commencer un peu à préparer le terrain. Et là, comme ça, je peux peut-être tenter un move. Parfait. Et là, on va pouvoir s'occuper de ses gardes civils et ramener le contingent principal de l'armée romaine. En faisant ça, ça va peut-être nous permettre de faire du mal à la faction. Allez. L'ennemi a peur. Il a besoin de renforts face à nous. Qu'importe. Nous compterons ses morts plus tard. Oh, leur armée sera divisée en deux en plus. Qu'est-ce qu'il y a dans notre dos? Il y a plusieurs généraux, c'est ça le problème. Attention. Attention. Bien, 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 bien. Vite, barrez-vous.
Il y a un cavalier qu'on va perdre ou pas? Comme ça, on tombe dans le dos avec nos cavaliers. On les dégomme. Voilà, toute la garde civile, là, elle va tomber. Attention ici. Oh, mais il y a un général isolé. Allez. Alors, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais soit. On va vite faire un petit volte-face là. Si on peut abattre ce général rapidement. Bon, on va se reculer, on va faire attention. Là, on va remettre en ordre toute notre armée. En fait, la puissance des Gaulois, en fait, c'est leur cri de guerre. Hein. Voilà. Ça y est. Donc là, je vais faire tourner. Là, je vais faire un petit flanking là. Oh, ce carnage là en bonne et due forme. Là, il faut qu'on poursuive pour faire le maximum de pertes dans leur rang. Bon, malheureusement, il y aura un général qui va survivre. Peut-être avoir le temps de refaire une unité, mais je pense que ça va être vite géré normal. Donc là, on va continuer de se faire de l'argent. On va essayer de former des troupes aussi pour partir à l'assaut des îles britanniques. On a un navire, hein, mais bon. J'ai conduit de prévoir des cavaliers. Je sais vous, notre patience a des limites. Une plaisanterie. Ah non, point douter. Bon, ok. Ok, il leur fait deux généraux, d'accord. Ensuite, là, je vais faire quoi? Encore un marchand. Continue de partir sur de l'épéiste parce qu'on va en avoir besoin, croyez-moi. Surtout contre le Sénat. Et là, je continue de renforcer ma ligne. Ok. On
va y aller, hein. On va finir les Julie pour déjà cette première partie de la campagne. Là, on va s'emparer d'Aretium, on va faire tomber les portes. Ce soir, le festin, attendez mes ordres. Unité, unité, on va de course. Bélier, bélier. Ah bah les portes là, elles sont tombées. À l'assaut des portes. On va voir comment il réagit si on fait tomber les autres portes. Le bélier est devant les murs. Nos guerriers attaquent. L'heure est venue de se montrer héroïque. Nos guerriers ont pratiqué une brèche dans les murs. À l'attaque! Soyez sans merci! Unité! Unité! Nos guerriers ont repoussé l'ennemi hors de ses portes! J'essaie de provoquer mes adversaires avec mes généraux. Détachement! Unité! Unité! Entrons! Unité! 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 Unité en vitesse! Unité au pas de course! Unité! Unité! Unité en vitesse! Voilà. Ah, il y a les deux un des généraux qui est tombé. Le commandant Romain est mort. Ses hommes vont apprendre à nous. Voilà. Ah, les sous-assauts de là du dernier Astati. Jusqu'au dernier, il sera battu. Bon, bah c'est pas mal. Bon, là, du coup, on va juste asservir. Les Julie, c'est réglé. En 2-2. Et en plus, on peut faire des épéistes aussi, là. Bah, c'est nickel. Je vais réparer les murs, je vais faire un hôtel de des us, je vais faire quoi? Oh, une forge, parfait. Donc là, on va commencer à se mettre bien au niveau de l'équipement en Italie. Ça va être très important pour prendre Rome. Hein. Il peut faire la bataille de nuit, je suppose. Ok, donc là on est pas mal. Puissions-nous mettre fin? Non. Je pense qu'on va partir pour Londinium aussi là. On se retrouve avec 5 unités, on va en avoir 5 de plus ici. On peut améliorer tout de suite ça au niveau supérieur. Oh, parfait. Le fait que ça puisse se faire dans beaucoup de villes. Oh, ouais, ça devient bon. Grâce à notre politique d'asservissement, on a réussi à vite monter notre population. On va faire des fermes par-ci par-là. Y a moyen d'avoir un petit Mercos dans le coin ou pas? Oh ouais, il y a moyen là en fait.
Ok. Est-ce qu'on peut recruter d'autres mercos là? Ouais. On va les embarquer ceux-là. Ça nous fait une belle armée comme ça. Là, la densité des villes va commencer à être intéressante. Un forgeron supplémentaire. Dommage, on manque juste de quelques écuries dans le coin et ça sera nickel. Hein. Un petit peu de ferme. Là, il faut qu'on débarque chez les Britons. Alors, si je me mets là, il n'y a rien. Ah, Londinium, intéressant. Voilà. Par contre, ils vont être chiants, leurs chars. Là, on va essayer de faire tomber Londres rapidement. Comme ça, là, on pourra couper l'accès aux épéistes. Puis là, on va continuer de faire ce qu'on a à faire. Donc, on est déjà à 11 provinces. Il nous en faut encore 4. Donc, Rome, ce sera une des demandées. Et là, on va tenter aussi, pareil, faire un empire sur les îles britanniques. Bon, ce serait drôle que leur chef y canne avant la fin. Je vais faire quoi ici? Une forge en plus. Oh, ça m'obrive au niveau supérieur, moi je dis oui. Ça commence à être pas. Ça sentir très bon toute cette histoire. Où est l'armée romaine, enfin l'armée du Sénat? Ah putain, il est mort. Bon, on va essayer de reformer un espion. Je ne suis pas fan de ce gameplay, je n'arrive vraiment pas à m'intéresser. Tu parles des espions ou de Total War en général, le squash? On va faire un petit diplomate ici pour voir un peu ce qui se passe. Les esprits, il faut que je forme quel bâtiment, déjà je sais même plus. Ah, tout à l'heure, non, je comprends. Hein. Une taverne, ça pourrait avoir son utilité à un moment. Un port, ça serait bien pour ici. Ah, je dois reformer toutes mes troupes. 1, 2, 3. On va essayer d'améliorer rapidement nos armées, comme ça. On se mettra bien et on pourra foncer sur Rome ici pendant... Ouh. Ok. Il y a du peuple là. Il va falloir que je ramène des renforts. Ça, dès que possible, on les ramènera. Donc, on va essayer de faire au mieux. On a beaucoup de cavalerie. On va essayer de jouer sur ce qu'on a, sur notre force là. J'avais mon fin de partie de Battle Brothers. Ça fait longtemps que ça me titille. Ouais, bah moi, ça va pas tarder à revenir. Battle Brothers, je vais le refaire cet été justement. Ma compagne, enfin, une compagnie de barbares, mercenaires. Donc là, on est pas mal. Donc là, nos armées elles vont commencer à prendre un bon up. Ok, il sort de mon côté. Alors, qu'est-ce qu'il a dans son armée? Dis-moi que c'est beaucoup de...
Wait a second. Son armée ne me rejoint pas. L'autre armée, on est d'accord, elle ne me rejoint pas. Mais c'est magnifique. Bon. Eh. Les îles britanniques, là. Oh là là, là ici, on fait pas n'importe quoi. Il peut perdre potentiellement deux généraux. Ce qui sera toujours utile. Et je vais... Tu sais quoi, je vais être salopard. J'envoie juste mes mercos en premier. Voilà. Ils veulent pas lâcher leurs épéistes. Et ils font mal leurs épices de merde là. Ouais. Bon allez, à plus et bonne. Ouais, merci c'est gentil Squash, à toi aussi bonne soirée, à bientôt. Attends, oh, qu'est-ce qu'il fait, char là? Nos soldats ont atteint les portes des ennemis avec le bélier. Unité, cri de guerre. Unité, unité, unité en vitesse. Unité, chef, unité. Ils nous attaquent. Unité, chargeur. Oh. Ils nous attaquent. Voilà. Porte à céder. Vos guerriers ont fait du beau travail avec le bélier. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Unité. Bon. Je sais pas pourquoi ils t'ont tenté de m'attaquer là, mais soit. Merde, j'ai fait un misclic. Bon, j'aurais dû continuer. J'aurais pu faire tomber le Londres. Ah, les Espagnols, comme c'était à prévoir. Ouf. Ils ont beaucoup de tireurs, donc c'est gérable en vrai. Bon allez, on va essayer de terminer Londres rapidement. Comme ça au moins, on sera sûr avec ça. Et on te clôturera la VOD ici. Là, je commence à regrouper mes forces. Là, le plan, ça va être de taper ici. Hein. Putain, ils l'ont remis full son général. Non, mais c'est abus. Il était à même pas 30. Je remets au double. Voilà. Nous avons passé les murs. Que le carnage commence. Parfait. Unité. Unité en vitesse. Là, j'aurai tout de suite mes mercos en prio. La victoire nous attend. Unité.
Ça y est, le roi est tombé, ça c'est fait. Finalement, c'est ces mêmes mercenaires qui ont tout trinqué. Bon, on va essayer de terminer ces deux détachements de brins. Merci. Allez. Bon. Londres est à nous, ça c'est bien. Ça a empêché maintenant les Bretons de produire davantage d'épices. Donc là, je vais juste pour le principe. C'est une capitale. Et je vais commencer à préparer des épices aussi, moi. Bon, parce que saqué de Bretagne, on s'en fout. On va faire un temple en hommage à Esus. Une forge aussi. Il n'y a pas moyen de faire un petit agent en prime là. Ah, il m'assiège, c'est bien. Venez. Alors, ils sont 1639, ils ont deux pégus, ils ont un frondeur. Bon, en vrai, c'est faisable, hein. Donc là, il nous reste encore 3 colonies à récupérer. Bon, on va faire un petit peu de défense aussi au prochain tour. On va essayer de se débarrasser de nos adversaires. Donc, je m'attends pour cette première V2 qui était plutôt agréable. On a réussi à se défaire des Juifs rapidement. On contrôle pas mal tout le nord de l'Italie. On a réussi à faire un grand coup contre les Britons. Dans le but de les détruire complètement. On va tenter d'aller chercher leurs deux dernières villes. Comme ça, on va être tranquille avec ça. Et il nous restera Rome à tomber. Bon. Après, on a des guerres qui nous sont tombées dessus. Comme les Espagnols. Les Bretons, bien sûr, qu'on s'occupe. Et comment ils s'appellent. Et le Sénat avec qui on va devoir s'occuper de ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao.